Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est à partir d'un rêve que j'avais fait, puis je me suis dit, il faut que j'apprenne à voir ça aussi. Quand Dédé Fortin est décédé, dans la nuit, j'ai rêvé, puis il me dit, il faut contempler la beauté pour vivre, mais il faut vivre pour contempler la beauté. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? T'sais? Et j'ai écrit cette phrase-là dans mon livre de bord, en partant pour Compostelle. Je me suis dit, je veux essayer de comprendre. Et j'ai compris que c'est ça, à un moment donné, réussir à apprendre à contempler la beauté où ce qu'elle est, que ce soit n'importe où. Cette beauté-là qu'on trouve, même des fois, tu dis, ah mon Dieu, c'est donc bien laid. Mais non, il y a de la beauté en arrière de ça. Puis réussir à voir ça sur le chemin, des fois, là, on se trouve pas très, très beau, mais il y a une beauté qui ressort de ça. Puis c'est ça, dans tous ces chemins-là qu'on fait, qui sont extraordinaires. Fait que pour moi, c'est ça. C'est contempler la beauté qui fait vivre. C'est génial.